en pensez, mais moi j'ai vraiment hâte de voir la maison de chérie. En tout cas, l'invitation est prometteuse. Chers amis, sortez de votre train-train et venez à ma méga fiesta, la soirée de chérie, votre voisine VIP. Alors rendez-vous à ma villa. Oh, c'est chouette, vous ne trouvez pas? Elle a l'air modeste. Modeste, je ne sais pas. Riche, c'est certain. Loquette, regarde cette maison. Chérie, ça me rappelle quelqu'un. Bonjour et bienvenue. Entrez et ne faites pas comme chez vous. Je suis Lulu, l'assistante personnelle de madame. Votre bandana, merci. Hé, c'est mon vieux bandana. Je l'adore, c'est mon préféré. Vieux? Je dirais aussi complètement démodé. Ici, dans notre villa, il n'y a pas de place pour le mauvais goût. Madame est très sensible à ce genre de choses et ce serait dommage de la dégoûter. Madame, je vous informe que tout est en place. Chers habitants de Pixieville, veuillez accueillir l'unique, la grande, la divine chérie. Chou, il m'adore déjà. C'est gentil à vous d'être venu, mais encore plus gentil à moi de vous avoir invité. Vous êtes tous si rustres. Mais il est inutile de vous inquiéter, car à mon contact, vous ferez des progrès. Lulu, décroche-moi de cet arbre immédiatement. C'est étrange. Ils n'avaient pas annoncé d'orage pour ce soir. Je peux? C'est gentil. Oh mon héros, quand j'étais accrochée, j'avais envie de pleurer, puis tu es venu me sauver. Lulu, remercie-le. Quoi? Dis-moi, je fais erreur ou nous nous sommes déjà rencontrés? Tu dois me confondre avec une autre, ma petite. En fait, je suis unique en mon genre. Tu fais erreur? Me confondre avec une autre, quelle idée? Madame, vous permettez, je m'appelle Green. Je suis le directeur de la banque de Pixieville, l'endroit le plus sûr où garder vos colossales économies. Pardon, pardon, du balai. Je travaille au journal de Pixieville. Une interview. Ici, nous parlions plutôt du compte que vous vouliez ouvrir. Je suis tout à toi. Pour un chat avec Chata, un sujet en or, je suis avec la riche et célèbre chérie. Chérie, les gens disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est exact. Il y a plein d'autres choses importantes dans la vie. Comme l'amour, par exemple. Vous êtes folle, ne dites pas ce mot devant madame. Pourquoi ça? Quoi? Quel est le problème? Amour? De la pluie, du vent, de la neige et de la grêle. Le temps est tout détraqué ce soir. Je crois savoir qui est derrière tous ces changements de saison. Et demain, il fera un temps magnifique parce que j'ai organisé un pique-nique et vous êtes tous invités. Et devinez qui se joindra à nous? Notre nouvelle amie, chérie. Elle, ce n'est pas notre amie, je la trouve désagréable et très hautaine. Peut-être, mais je dois finir l'interview avec elle et le pique-nique sera l'occasion rêvée de mieux la connaître et d'obtenir quelques réponses. Je suis sûre qu'elle a quelque chose à voir avec ce temps capricieux. Il vous suffira d'être accueillant, aimable et d'apporter à manger. Je peux pas tout faire. Coucou! Quelle belle journée pour un pique-nique, vous ne trouvez pas? Vous devez mourir de faim, mes pauvres. Heureusement, je ne suis pas venue les mains vides. Il n'y a rien à manger ici. Il y avait tout ce qu'il fallait il y a une seconde.
votre place, j'essaierai d'éviter de la mettre en colère. Et un conseil, ne lui parlez pas d'amour. Oh! Laisse-nous, Lulu, tout va bien, ça ira. Je suis en compagnie de mes nouveaux amis. C'est si agréable d'être ici, votre accueil est touchant, j'en suis émue. Eh bien, tu es notre nouvelle amie. C'est une fête de bienvenue. C'est la première fois que tu viens à Pixieville? Oui. Je suis venue parce que je veux une vie plus simple. J'en ai assez de voyager dans le monde entier. J'ai vraiment l'impression de la connaître. Oh, un petit chien! Tu as faim, petit coquin? Oh non, il ne faut pas le nourrir, les shrinks sont des parasites. On ne s'en débarrassera plus. Je ne te permets pas de me dire ce que je dois faire. En fait, je suis en train de te dire ce que tu ne dois pas faire. Si on allait dans un endroit plus tranquille. Alors, où en étions-nous? Et si on parlait un peu de toi? Tu es très fortunée, mais que fais-tu pour gagner ta vie? Oh, rien. Je suis trop occupée à dépenser mon argent pour travailler. Et je n'arrive pas à savoir qui elle me rappelle. Moi, elle me rappelle mon bouton de la semaine dernière et il n'était pas beau à voir. Tu me vois comme une fille mystérieuse, envoûtante et inaccessible, mais je sais apprécier un sandwich. Quelle saleté! Regardez, je suis toute mouillée! Et ma coiffure! Le ciel se couvre! Va y avoir une tempête! Faut qu'on file de là! Le temps ces derniers jours est vraiment bizarre. Il fait beau, puis le moment qui suit... Oh non, ce fichu shrunk! C'est encore lui! Essayons de le semer, par ici! Il ne nous suivra pas là-bas, c'est le royaume du dragon grincheux et tout le monde le craint. Mais pas nous, nous allons cueillir des fruits dans ce ravissant coin de la forêt. C'est délicieux. Hé! Je me trompe peut-être, mais je voudrais faire une expérience. Tiens, tu la veux, chérie? Eh oh, c'était juste pour rire, t'énerve pas, j'en ai d'autres. Assez! Ça suffit! J'ai trouvé! Tu es venue dans mon magasin l'année dernière. Tu voulais acheter un filtre d'amour. Oui, c'était moi! Et le store a échoué, j'étais si amoureuse! Il n'était pas acteur ou chanteur, ni même célèbre. C'était un gentil pixie, mais son cœur battait pour une autre. Je suis désolée, mais mes potions ne peuvent pas forcer quelqu'un à tomber amoureux d'une personne qu'il n'aime pas déjà un tout petit peu. Je suis revenue à Pixieville pour lui. J'espérais avoir la chance de le voir, même de loin, parce que... J'ai beau être une pixie qui a tout ce dont elle peut rêver. Sache que sans amour, ça n'a pas d'intérêt. Vers la pluie et le beau temps, je trouve ça sans intérêt. Martino, voyons, elle a assez de problèmes comme ça, non? Ne parle pas de ça dans ton article. Pas un mot, je te le jure, c'est promis. Encore toi? Allez, zou! Nom d'un lutin, c'est le dragon grognon! Grognon, moi je dirais qu'il est furieux. Ils ont besoin d'aide, vite! Pas de pixie à la table! Calmez-vous! Ça va aller, n'ayez pas peur! Et suivez-moi! Oh,
Que puis-je vous donner pour vous remercier? Et pas si vite, je suis sûre qu'il l'a fait gratuitement. Ne vous en faites pas, c'est la maison qui régale. Excusez-moi, mais deux autres clients ont besoin de moi. Et maintenant, qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous faire? Allez, à ton tour, chérie. J'ai compris que tu avais le pouvoir de changer la météo, alors déclenche un orage pour éteindre cet incendie. Comment veux-tu que je fasse? Sois triste. Essaie de penser à ce pixie de Pixieville, tu sais, ce gentil pixie qui est fiancé à une autre. Ah, je sais que c'est un peu cruel, mais une fin heureuse justifie les moyens. C'est génial, chérie. Bravo, tu as réussi à sauver le parc. Quand un pixie utilise ses pouvoirs pour défendre une juste cause, l'arbre de la vie lui donne un pop magique, une sphère magique qui a le pouvoir de transformer un pixie en popixie. Chérie, voici le pouvoir de pixie de la météo. Non, il y a eu assez de feu aujourd'hui. Est-ce que tu nous en veux de t'avoir joué ce petit tour? Oh non, grâce à vous, j'ai compris tant de choses aujourd'hui. Vous êtes de vrais amis. Et ne sois pas triste si tu n'as pas trouvé le pixie de tes rêves. Pixieville regorge de gentils pixies. Et si on en parlait en déjeunant? Un pique-nique vous attend. Vous venez? On y va? Avec moi, dans un endroit magique où tu trouveras tant de jeux, tant de rires et tant de joie, et où tout changera tout instant, c'est comme un grand manège.